Les temps changent dans le monde du travail au Québec. Avec cette pénurie de main-d'œuvre, on est forcé chez les employeurs d'offrir des salaires meilleurs. Et si bien que le salaire minimum devient presque théorique. Une étude qui est parue hier, une étude de Détail Québec, qui montre que beaucoup d'entreprises offrent des salaires bien au-delà. On va en parler avec les gens du Conseil québécois du commerce au détail, Damien Silès, qui est directeur général. Monsieur Silès, bonjour. Bon matin, Monsieur Garand. C'est un peu ça. Hein? C'est le reflet d'une nouvelle réalité, même si elle s'atténue, la pénurie de main-d'œuvre. On n'a pas le choix d'offrir des salaires supérieurs. Vous avez tout à fait raison. L'étude qui a été faite par Détail Québec confirme quelque chose qui est su et qui est connu par tout le monde. C'est que on se retrouve avec une pénurie de main-d'œuvre de pratiquement 29 000 personnes dans le commerce du détail, dans ce secteur. Il faut savoir que ce secteur est le plus gros employeur privé au Québec, avec pratiquement 500 000 personnes qui travaillent dans ce secteur. Et il y a une compétition. On s'aperçoit qu'il y a une compétition au niveau de cette main-d'œuvre et qu'on essaie de voir de quelle manière on peut garder ces employés, on peut les motiver. Et dans le sondage qui a été fait, on s'aperçoit que 40% des commerces qui ont été interrogés payaient plus que le salaire minimum actuellement, ce qui est quand même beaucoup. Oui, qui va passer d'ailleurs à 15,75 $ le 31 mai prochain. Dites-moi... évidemment, il y a cette tendance-là, mais dans quel secteur particulier du commerce au détail c'est peut-être le plus marqué? Bien, je vous dirais, il y a beaucoup de sous-secteurs. On en compte 19. Dans tous les secteurs qui demandent un service à la clientèle, qui demandent à recevoir les consommateurs, les clients, donc on se retrouve vraiment avec... pratiquement tous les sous-secteurs du commerce de détail, dès lors qu'on est en contact avec le client. Oui. Pour les employeurs, évidemment, c'est une nouvelle réalité et on doit s'adapter parce que la charge, évidemment, des salaires est de plus en plus élevée. Oui, tout à fait. Je crois que la question est tout à fait adéquate et il faut maintenir un salaire minimum au Québec. D'ailleurs, on fait partie, on est en milieu de position sur les 10 provinces au Québec par rapport au taux à 15,75, mm-hmm. comme vous le disiez tout à l'heure. Mais le fait de maintenir ce salaire minimum permet d'assurer, entre autres, une justice sociale, de stimuler l'économie locale. Ça, c'est très, très important. Et d'améliorer aussi la qualité de vie des travailleurs. Donc, je ne pense pas qu'il faille l'enlever. C'est important d'avoir un minimum et de savoir tracer une ligne par rapport à ça. Cependant, avec la conjoncture économique actuelle, force est de constater qu'on se retrouve avec un grand pourcentage d'entreprises qui payent plus que le salaire minimum. Ouais, la présidente de la CSN disait que ça démontrait l'absurdité et l'inefficacité d'un salaire minimum à ce prix-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? C'est un syndicat. Je respecte tout à fait ce qu'elle dit. Nos membres et les commerçants, pour eux, c'est important d'avoir une ligne de démarcation pour savoir exactement comment on peut se comparer, non seulement au Québec, par rapport à la compétition nationale dans le reste du Canada. Je crois que c'est toujours intéressant de maintenir un salaire minimum pour justement se tracer une ligne. Et à partir de ça, rien n'empêche de payer, et on le voit, un salaire supplémentaire et supérieur à ce salaire minimum. Mais il est quand même important d'avoir une ligne dans laquelle tout le monde peut se baser et avoir de l'information par rapport à ça pour fixer ses salaires. Et autre signe des temps, M. Silès, je ne sais pas si vous le voyez déjà dans votre domaine, mais je me doute que oui, là. Il semble qu'on commence à verser ce qu'on appelle des primes à l'assiduité pour, évidemment, contrer le fléau des absences, des retards, du manque d'employés. Est-ce que c'est un phénomène qui commence à prendre forme également? Regardez, on essaye, je vous dirais, dans tous les secteurs, hein, pas spécialement dans le secteur du détail, mais dans tous les secteurs, après la COVID, il y a eu un changement de paradigme, un changement de mentalité, et l'idée de voir comment on peut, je dirais, fidéliser nos clients, comment nos employés également, et comment on peut trouver justement des actions qui permettent, au-delà d'un salaire minimum ou au-delà d'un salaire, une possibilité de les garder et une possibilité de donner plus
qu'un salaire. C'est très important. La compétition est féroce et on se doit de trouver des solutions qui sont différentes. Alors, vous nommez celle-ci, il y en a d'autres aussi qui sont présentes, mais les changements de paradigme après la Covid font que on est obligé d'innover, de trouver de nouvelles façons pour garder et prendre soin de nos employés. Ça, c'est certain. Monsieur Silas, merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous ce matin. Merci, bonne matinée. Au revoir.